Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 30 septembre au 6 octobre. Allez, on va regarder. Oh, l'énergie qui vous accompagne, les Gémeaux, pour cette semaine, c'est l'énergie de la mort. Et en d'autres paquets, nous avons le 2 d'épée. La carte du 2 d'épée, c'est une carte de choix. C'est un choix qui est difficile, c'est un choix qui est compliqué. Le 2 d'épée, ouais. Parfois, on se voile la face avec la carte du 2 d'épée. On peut être un peu dans le déni. Et on a la carte de la mort. La carte de la mort qui nous parle de fin, qui nous parle de changement, qui nous parle de transformation. C'est un changement radical. Il y a quelque chose qui arrive à son terme. Il y a quelque chose qui ne peut plus rester en l'état. Il faut faire table rase d'une certaine partie de son présent, de sa vie. Oui. Il y a une transition qui est en route. Vous voyez ? Complètement. Il faut accepter que parfois que les choses aient une fin. Avec la carte de la mort, si vous savez de quel changement il est question, on vous incite à le provoquer. On vous dit qu'une nouvelle situation serait plus profitable pour vous et qu'il faudrait passer à l'action, donc faire des choix. Je pense qu'il y a une transformation profonde qui nécessite des choix délicats. Des décisions doivent être prises avec clarté, avec objectivité. On se prépare à avancer vers une nouvelle phase de sa vie. On va regarder pour vous les Gémeaux. Allez. Hop. Oh, mais qu'est-ce que je fais ? Je recommence. Allez, Gémeaux, 30 septembre, 6 octobre. Gémeaux. Oh, mais c'est pas vrai, hein. 30 septembre, 6 octobre. Oh, bah dis donc. Alors, commence avec le 7 de Pentacle et avec la carte du diable. Gémeaux, 30 septembre au 6 octobre pour le signe du Gémeaux. Gémeaux. 30 septembre au 6 octobre pour les Gémeaux. Allez, il me faut combien ? 4 cartes. 4 cartes. 4 cartes. Moi, j'en ai trop. Oh, purée, je te jure. Voilà. Valet d'épée. Cavalier d'épée. 3 de coupe. Une dernière carte. Gémeaux. J'en ai combien ? Bon, allez. Je les prends parce que je les prends. Alors, je vais essayer de pousser ça. Parce que je vais mettre ça plus sur la gauche. La lune. Le 9 d'épée. Et le roi d'épée. Allez, tant pis, on va pas y passer non plus. La journée, j'ai quoi ? J'ai le 3 de bâton. Le 3 de bâton, on tourne le dos à quelque chose et à quelqu'un et on se tourne vers de nouveaux horizons. J'ai le 6 de coupe. Alors, est-ce que vous mettez fin à quelque chose qui dure depuis longtemps ? Vous mettez fin à quelque chose qui dure depuis un moment ? Pourquoi pas ? Alors, vous voyez tout ? Ouais, ok. On commence. On a le 7 de pentacle et on a la carte du diable. J'ai envie de parler du diable parce que quand je vois la mort et le diable, pour moi, ça parle d'une libération qui est difficile. C'est-à-dire qu'il y a une transformation profonde, mais c'est accompagné de dépendance. Il y a un changement significatif qui est en cours. Il va falloir faire des choix. Mais parfois, on peut faire des choix qui sont dictés par des désirs matériels ou des pulsions, plutôt que par la raison. C'est comme si vous deviez traverser une période de transition, je vais dire, sans vous égarer. Alors, pardon, j'espère que je suis claire quand je dis ça. J'espère que je suis claire. Il peut y avoir une dépendance
financière. Vous voyez ? Mais pour moi, le diable parle de manipulation, parle de domination, parle de quelque chose qui n'est pas sain. J'ai là. Pour moi, vous devez mettre un terme à quelque chose. Vous éloigner de quelque chose ou de quelqu'un. Vous voyez ? Ouais. Oui. Oui. On se détache. Alors, je vais dire, j'ai l'impression qu'on doit se détacher de quelque chose qui est devenu nuisible, inutile. Vous devez reprendre une sorte de liberté. Vous voyez ? C'est comme si vous deviez reprendre, ouais, une sorte de liberté. Le 7 de Pentacle peut nous parler d'attente, peut nous parler aussi qu'on évalue les choses. Vous êtes en train d'évaluer les choses. Ouais, j'ai l'impression quelque chose qui entrave votre croissance. Oui, oui. L'impression qu'il y a quelque chose qui entrave votre croissance, une sorte de dépendance. Oui, le diable, il enchaîne. Mais, il enchaîne. Alors, on va me le reprocher, mais je vais le dire quand même, tant pis. Il enchaîne parce qu'on le veut bien. Vous voyez, c'est quand même ça, le diable. On doit se libérer de quelque chose avec le diable. On peut se libérer de quelque chose, mais on a peur de s'en libérer. Vous voyez ? Oui, oui. C'est comme si, ouais, vous aviez peur. C'était compliqué de s'en libérer. Effectivement, ouais. Cette transformation de la mort, elle vous mène à une nouvelle phase de vie. C'est comme si vous deviez accepter d'entrer dans une nouvelle phase de vie. Oh, attendez, j'arrive. Je suis désolée, mais j'ai mon chat qui me ramène un serpent. Donc, je sauve le serpent. Voilà, c'est fait. Donc, vous devez être prêt à lâcher prise et embrasser le changement. Oui, oui. Vous devez être prêt à lâcher prise et à vous adapter à un changement. Ok, je vais continuer. J'ai le serpent à côté de moi. C'est extrêmement... voilà. je vais me reconcentrer. Valet d'épée, c'est ce que vous voulez. Alors, vous voulez vous préparer à des défis futurs. Vous voulez quand même... l'ancien doit céder la place au nouveau. Donc, est-ce que le valet d'épée, effectivement, je pense que vous avez cette envie de changement en vous. Je pense que vous avez de l'élan pour aller de l'avant avec le valet d'épée, c'est ce que vous voulez. Après, peut-être que vous êtes dans une réflexion stratégique. Peut-être que vous avez besoin d'un temps de réflexion stratégique pour mettre fin à quelque chose et pour pouvoir avancer. De toute façon, le changement de la mort, il est inévitable. Il doit être embrassé pour progresser. Je vais quand même le dire comme ça, les Gémeaux. Parce que si vous n'acceptez pas ce changement, ou si c'est vous qui ne mettez pas fin à quelque chose, eh ben vous restez dans la situation actuelle. C'est-à-dire que vous restez enchaîné ou dans une situation malsaine ou de dépendance. Prenez ce qui vous parle. Le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée peut dire... que les anciennes façons de penser doivent être remplacées par une nouvelle détermination. Vous voyez ? La persévérance et l'énergie du cavalier d'épée, ça va vous aider à surmonter les obstacles et à trouver une nouvelle direction. C'est ça votre défi. C'est ça votre défi. Ok. Ce qui vous aide ? Ce qui vous aide, c'est la carte du 3 de coupe. Alors, pour certains, Gémeaux, je vais dire sortir d'une triangulaire. Je vais quand même le dire. Après, ce n'est pas le cas de tout le monde. 3 de coupe, ça peut être... plusieurs choses. Ça peut être des personnes qui vous soutiennent. Ce qui vous aide, c'est peut-être certaines personnes qui sont là, qui vous soutiennent. Pour moi, le 3 de coupe, c'est la victoire sur les difficultés. C'est l'aboutissement favorable d'une situation. C'est le succès sur l'adversité. C'est la joie. C'est la joie. Donc, j'ai quand même envie de dire que cette transformation, ben, elle apporte de la joie. Elle apporte du bonheur. Je vais dire autre chose. Ce qui peut vous aider avec le 3 de coupe, c'est la fin, de mettre fin à une période difficile et d'accueillir une nouvelle phase de vie, remplie de nouveaux liens ou peut-être de nouvelles collaborations si c'est professionnel. Ok. Maintenant, j'ai le chat qui m'attaque la jambe. Milo, Milo. Oh, purée, tu
me fais mal. Alors, pardon, je suis désolée, le boulet. La lune, le roi d'épée et le 9 d'épée. C'est l'issue de la guidance. Alors effectivement, y a de l'incertitude avec la carte de la lune. Oui. Les Gémeaux, vous devez faire face à vos peurs. Vous devez accepter un changement inévitable. Peut-être tout en restant conscient qu'il y a des réalités déformées ou des vérités qui vous sont cachées. Il y a une phase de transition. C'est pas évident. Oui, incertitude, illusion, je ne sais pas, je suis embrouillée, je suis pas sûre, j'ai peur. Parce que la lune et le 9 d'épée parlent quand même de ce stress, de cette angoisse, de cette peur, que les choses... Parfois, on a peur que les choses changent. Même si elles ne sont pas sympas, on a peur que les choses changent. Il y a trop d'anxiété. Voyez, tout ça vous demande du courage pour être surmonté. Voyez, peut-être il peut y avoir un combat intérieur contre des insécurités ou des doutes, mais avec votre force et votre détermination, vous pouvez faire des choix, vous pouvez avancer, vous pouvez évoluer. Voyez. Le roi d'épée, il tranche, il dissipe le brouillard par une vision claire des choses, et c'est ce que vous allez devoir faire. Vous allez devoir dissiper le brouillard par une vision claire des choses pour faire des choix, pour planifier l'avenir. Oui, oui, oui. Il faut vous sentir équipé pour faire face à l'incertitude. Vous devez utiliser votre sagesse et votre maturité intellectuelle pour faire des choix. On a, en fin de compte, le roi d'épée, il a un esprit tranchant. On utilise son esprit tranchant pour éclaircir des choses et avancer avec confiance. Là, il est vivant, le serpent, hein, je pense. Il est vivant, hein. Oh, pardon. Allez. Je recouvre la mort. Je recouvre la mort. Allez. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Ouh, la mort et l'empereur. Bon, là, les Gémeaux, avec la mort et l'empereur, pour moi, j'ai envie de vous dire, vous allez pouvoir faire un trait sur le passé. Pourquoi ? Est-ce qu'il y a une nouvelle... Alors, si c'est sentimental, on va pouvoir faire un trait sur le passé parce que peut-être qu'il y a une nouvelle relation stable qui va rentrer dans votre vie. Si c'est professionnel, c'est pareil, les temps vont changer, vous allez pouvoir oublier le passé pour avancer vers l'avenir parce que votre situation professionnelle va trouver une nouvelle stabilité. Peut-être un emploi durable, peut-être un projet solide. Ça peut être aussi une situation financière qui se stabilise et qui se consolide. C'est aussi une possibilité. Vous voyez ? Oui. Mais effectivement, il y a vraiment un trait à tirer, oui, sur le passé, sur quelque chose, peu importe. Vous voyez ? L'empereur, il est solide. L'empereur, il est déterminé. L'empereur, il est proactif. L'empereur, il domine ses anxiétés. Il n'est pas dans l'anxiété, l'empereur. Pas du tout. Il y a une transformation radicale et ferme. Avec ces deux cartes-là. Complètement. La transformation, elle est radicale, elle est profonde. Wow. On élimine l'ancien. Peut-être que l'empereur peut vous dire aussi que vous avez cette nécessité de prendre le contrôle pour effectuer des changements significatifs, des changements inévitables. Ok, je recouvre le 7 de Pentacle et le Diable. Tiens donc, alors effectivement, valet de coupe, alors, le valet de coupe, c'est un valet, c'est un nouveau commencement. Alors, valet de coupe, nouvel amour, nouvelle aventure amoureuse, nouvelle attitude, pourquoi pas, ouais. Après, ça peut aussi parler d'exprimer quelque chose. Il exprime ses sentiments, il exprime une vérité. Peut-être que certains Gémeaux n'ont plus envie de faire semblant. Peut-être que certains Gémeaux n'ont plus envie de faire ce qui est attendu d'eux. On n'a plus envie de... On veut de la transparence. Voyez. Pourquoi pas. Après, une nouvelle personne vous déclare sa flamme. C'est aussi une possibilité. Mais quoi qu'il en soit, de toute façon, le valet de coupe, il
Moi, je pense qu'il y a un nouveau chemin pour vous. Il faut choisir de le suivre ou pas. Je serai de vous, je le suivrai. Après, chacun fait ce qu'il veut. Je recouvre le valet d'épée. Et ouais. Et oui, vous avez peut-être des choses à dire, vous avez peut-être des choses à exprimer. Valet de coupe, valet d'épée, valet de bâton, il y a quelque chose. Ce sont des nouveaux commencements, tout ça. Ce sont des nouveaux commencements. Avec le valet d'épée, je me sens coincée, je me sens prisonnier, je me sens enchaînée, je me sens... Bouh. Et ouais, oui. On doit dépasser ses peurs pour avancer, vous devez retrouver de l'élan pour aller de l'avant. Vous voulez, vous, de toute façon, vous libérer mais de quelque chose. Ouais. Après, effectivement, peut-être que, encore une fois, vous voulez communiquer des choses. Mais moi, je pense que vous voulez, vous en avez marre de vous sentir piégé dans une situation, enchaîné dans une situation. Je pense que vous en avez ras-le-bol. Vous, vous voulez passer à autre chose. Vous voulez aller de l'avant. Je recouvre le cavalier d'épée. J'entends Loulou. Bah, tiens donc. Ah bah oui, hein. Bah oui, hein. Le 3 de bâton. Bah, le 3 de bâton, on s'élance vers de nouveaux horizons avec la carte du 3 de bâton. Hein. Ah ben, complètement. Hein. Oui. Oui. On s'élance vers de nouveaux horizons avec la carte du 3 de bâton. On tourne le dos à quelque chose ou à quelqu'un. Ça se voit clairement sur la carte. Et mais c'est ça. Ouais. La détermination de tourner le dos à quelque chose ou à quelqu'un et de vous élancer bah, vers autre chose, je vais le dire. Je vais dire ça. Oui. C'est on planifie des choses, il y a une avancée, peut-être après réflexion. Vous devez surmonter les hésitations, vous devez surmonter vos hésitations. Vous devez être dans l'action, vous devez être audacieux. Ok, on recouvre le 3 de coupe. Mm-hmm. Ouais, vous préférez autre chose. Ouais, bah ouais. Je le cache pas. Ouais, il y a Loulou. Je suis désolée, je vais être obligée d'aller chercher Loulou. 3 de coupe et 8 de pentacle. 3 de coupe et 8 de pentacle. Le 8 de pentacle, c'est le fait de travailler à l'amélioration d'une situation. On peut reprendre des études pour un travail, on peut reprendre une formation pour un travail. Mais ça parle de dévouement. En fin de compte, ce qui vous aide, c'est quelque chose de nouveau. Un nouveau projet ou une nouvelle phase de vie. Et ce nouveau projet où cette nouvelle phase de vie vous apporte de la joie. Ah ben oui. J'arrive, Loulou. Quelque chose de nouveau qui vous apporte de la joie. Je vais recouvrir la lune, le roi d'épée, le 9 d'épée. Waouh. Eh ben tiens. Eh ben tiens, pourquoi pas. Bon. Eh ben on a le jugement. Et la force, majeur et majeur et majeur. Alors, la carte de la force ici, pas question de se laisser abattre. On se bat pour s'en sortir et vous vous battez pour sortir de quelque chose et vous allez y arriver. Et vous y arrivez très bien. Après une rupture, après une crise professionnelle, vous rebondissez comme un chef. Vous trouvez des solutions pour sortir des difficultés, les Gémeaux. Parce que vous sortez des difficultés en vous battant. Vous avez de la volonté et de la détermination. Et avec votre volonté et votre détermination, vous aurez raison de cette mauvaise passe. Oui, vous aurez raison de cette mauvaise passe. Si mauvaise passe, il y a pour vous. Le jugement. Vous sortez, de toute façon, vous progressez. Vous sortez de la crise. Je vais le dire comme ça. Ça peut toucher tous les domaines. Mais pour moi, vous sortez d'une sorte de crise. De quelque chose qui était compliqué. Parce qu'il y a de bonnes nouvelles qui arrivent. Vous voyez ? Oui. Complètement. Alors oui, parfois, le jugement... Pour moi, les choses s'arrangent. Mais parfois, le jugement, oui, ça peut parler de retrouvailles. Du retour de quelqu'un. Ça peut parler de retrouvailles ou du retour de quelqu'un. Bien évidemment, c'est une possibilité. Mais bon. Après, ceux qui n'ont pas envie,
de retrouver, de se réconcilier ou du retour de quelqu'un, ben c'est de la nouveauté. On a quand même le valet de coupe. Le valet de coupe nous parle quand même d'une nouvelle situation. Alors oui, on peut avoir eu des problèmes avec quelqu'un et puis on repart sur de meilleures bases. Bon, oui, pourquoi pas, pour ceux qui le souhaitent. Vraiment pour ceux qui le souhaitent. Mais il y a une renaissance, de toute façon. De toute façon, il y a une renaissance après une période de changement radical. Je vais le dire comme ça. Oui. Mais il y a un changement radical qui doit être fait. Si vous conservez les choses en l'état, bah, il n'y a pas de changement. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est clair. Si on conserve les choses en l'état, il n'y a pas de changement. Moi, je pense qu'il y a une transition de l'obscurité à une sorte de compréhension. Peut-être des révélations, peut-être une prise de conscience profonde, peut-être des vérités cachées qui émergent. Écoutez votre intuition. Écoutez votre intuition, les Gémeaux, en cette semaine, et préparez-vous à une transformation significative qui peut vous apporter de la clarté après une période de confusion ou d'incertitude. C'est l'arcane sans nom, c'est la mort qui vous accompagne. Ce changement radical, il est proche. Voyez, ne refusez pas qu'il se produise. N'acceptez pas des transformations qui sont inéluctables. Voyez, les choses ont forcément une fin. Dans n'importe quelle situation, les choses ont forcément une fin. Voyez, si on s'enferme dans quelque chose qui ne convient pas, si on s'enferme dans son passé, il est impossible d'évoluer. On est malheureux. Voyez. Oui, donc, je suis un peu. Donc, il y a un changement et une nouvelle situation pour vous, valet de coupe. Et cette nouvelle situation, elle est profitable pour vous. Elle est plus profitable qu'une ancienne. Donc, il vous faut passer à l'action. Voilà les Gémeaux. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.